Et salut tout le monde et bienvenue dans le 14e épisode du Let's Play de New Super Mario Bros. Sur Nintendo DS. Bon, et ben on se retrouve après avoir complété la dernière fois le 6e monde. Alors si vous voyez le monde 8 déjà débloqué sur la carte, c'est normal. N'oubliez pas que quand vous finissez le monde 6 dans ce jeu, vous accédez directement au monde 8 et il faut utiliser des moyens détournés pour accéder au 7e monde. Donc je rappelle, c'est-à-dire soit terminer le boss du monde 5 en mini Mario ou utiliser le canon au monde 4. Voilà, vous avez le choix. Bon, alors c'est parti, on continue, donc on se retrouve dans le monde des nuages. Voilà, que c'est beau. Je rigole. Allez, on y va. Ah, c'était juste une pièce ici. Ah, la petite plateforme qui nous guide. Alors forcément, ici, ça nous promet des niveaux très aériens. Alors ici, je crois qu'il faut pas faire ça. En fait, je m'attendais à ce que la Koopa du bas se mette à la bonne position. Mais bon, j'ai vu le rail de guidage, donc c'est bon, j'ai compris. On va dire que cette mort ne compte pas, non, je plaisante. Enfin, je veux dire, c'est pas vrai. Cette mort n'est pas vraiment un fail en tant que tel, quoi. C'est juste moi qui ai mal choisi mon. Ça, par contre, c'était un fail. Excusez-moi, ça fait un petit moment que. Alors maintenant, on va essayer d'arrêter de faire le con. Ça serait peut-être une idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je sais, vous pourrez pas me répondre. Voilà, regardez ici. Et hop! Putain, en fait, la plateforme se déplace plus vite que je ne l'imagine, en fait. Non, vous voyez le bloc là, il faut que je le. Oh là là! Voilà, donc je disais. Que. Mais c'est pas vrai! Mais va te faire foutre! Attends, il y a un blème de manette ou quoi? Bon, si maintenant le jeu accepte de marcher comme il est censé fonctionner. Je disais que ce bloc-là, je suis censé. Voilà. Je suis censé me poser dessus. Et attendre. Oui, je vous assure que c'est ce qu'il faut faire. Non, mais je sais pas ce qui s'est passé là, mais. Voilà. Voilà, j'en avais besoin pour accéder ici. Hop. Voilà, elle est belle la pièce. Hop, hop, hop. Tu la prends s'il te plaît. Ouais, quand vous jetez de ces cordes, vous avez une inertie très étrange. Et vous savez, je pense que me souvenir d'un truc au sujet de ce niveau. Oh non, pas toi. Et voilà, voilà pourquoi pas lui. Je déteste cette espèce de boule. Elle était déjà présente dans. Regardez, putain, regardez la vitesse où il respawn. Putain. Non mais cet ennemi, on l'avait déjà rencontré dans Mario Bros 3. Et voilà, la fleur de feu qui est dans le bloc est trop haut, je peux pas la prendre. Alors à moins que j'attende que la plateforme revienne en arrière. Putain! Mais putain, mais ça sert à quoi de le tuer?
La question se mérite d'être posée. À quoi ça sert de le tuer? Il respawn instantanément. Non, je ne dirai rien. Mais cet ennemi, c'est une horreur. C'est Satan incarné, ce bestiau. Et voilà. Bien ce que je disais. C'est bien ce que je pensais. En fait, faut que je vous explique un truc. Dans ce niveau, si vous faites le passage, si vous prenez le passage secret avec le bloc que je vous ai montré, c'est-à-dire vous posez sur le bloc ailé et attendre qu'il vous amène au tuyau, et voilà. Le tuyau vous amène à la deuxième pièce. Sauf que le passage de la deuxième pièce vous fait obligatoirement rater la troisième. Et si vous continuez le niveau normalement pour choper la troisième, bah vous ratez obligatoirement la deuxième. Donc autrement dit, si vous cherchez à faire les trois pièces dans ce niveau, vous êtes obligé de le faire deux fois. Et c'est ce qu'on va faire. Parce qu'on n'a pas le choix. Bon. Donc maintenant, ça suffit les conneries. Je suis pas là pour vous montrer un Mario qui décède toutes les 10 secondes. Alors je sais bien que j'ai 93 vies et qu'on pourrait se dire « Ah bah c'est pas si grave !» Ça fait partie du jeu aussi de mourir. Certes. Bon, je refais pas le truc pour la première fois, si on l'a déjà. Donc ici, cette fois-ci, maintenant le bloc on s'en fout, il peut partir. Hein. De toute façon, je crois qu'il n'y a qu'une pièce dedans ou une connerie comme ça, là. Hop. Ah bah l'orve là. Allez, vite à vie, petit bloc ailé. Ouais, on y va. Ah bah putain, il y a même le checkpoint carrément. D'accord, donc le passage secret de la deuxième pièce te fait même louper le checkpoint. Parce qu'il me semble pas que c'était activé quand on avait le passage secret. Oh, lave-la la pièce. Il a encore fallu que je me fasse toucher par Satan. Voilà, nous revoilà au tuyau de sortie du passage secret. Alors, vous l'avez vu, quand il apparaît, il est suivi par... par 4 boules de feu. Et il les crache, et une fois qu'il a craché les 4... il explose, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Mais franchement, déjà dans le principe que ce bestiau respawn dès que tu le tues, merci déjà. Mais garde, franchement, je le tue, il respawn 5 secondes après. Oh, mais pitié, quoi. Heureusement, je crois que c'est le seul où c'est soit le seul niveau où on voit cet ennemi, soit il n'y en a qu'un deuxième. Je crois. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. Bon, cette fois-ci, le niveau est complété complètement. Bravo. Allez. Non, maison hantée en deuxième niveau du monde, vous imaginez? Alors, visiblement, il n'y a pas l'air... Je sais pas s'il y a une sortie secrète, je m'en souviens plus. Ah ouais, putain, je me rappelle de ce niveau. Oh mon dieu. Je vous explique. Vous voulez l'interrupteur là? Boum! Il y a 5 portes. Génial, tu prends laquelle? Ah, ici, il faut faire ça. Merde, c'est à côté. Attends, je vais peut-être bouger debout là parce que... Sinon, je risque de me faire toucher en sautant. D'accord. Vous avez vu, ensuite, faut faire l'interrupteur. Hein. Faut faire l'interrupteur pour faire réapparaître une porte pour sortir. Oh, les pièces, on s'en fout. Ouais, on se casse. Donc vous avez vu que c'est la pièce numéro 2 que j'ai pris.
Enfin, ça, faudra tester plus ou moins toutes les portes. Quoi? Je me souvenais pas de ça. Alors, regardez ça. Pardon. Les mains, comme vous voyez, elles semblent indiquer quelque chose. Mais en fait, c'est juste qu'il y a... Ah, je suis monté dessus. C'est juste qu'il y a un bloc invisible qui se déplace de gauche à droite et les mains servent à indiquer l'emplacement. Et là, je suis encore monté dessus. Je vais pas monter dessus, je vais le taper. Voilà. Allez, vous voyez que les mains bougent plus. Je crois qu'il y a un autre, il y a un autre passage du niveau où il faudra monter sur le bloc invisible. Oh, ici. Ouais. Ah, avec le mouvement du truc jaune, là, j'adore comment mes boules de feu décollent. Alors, ça, c'était la première pièce. Bon, ben, il reste les portes du bas, hein. Ah. D'accord, ça, c'était une salle piège. Ah, on va juste bouger les bouts pour... Pour que je puisse sauter sur les plateformes sans les toucher. Donc cette porte-là servait à rien. Bon, bah, il nous reste que celle en bas à droite. Hein. Voilà. Ah, ici, on a le coup des... Sauf que là, il me semble que le bloc invisible, il faut monter dessus. Mais j'étais... Attends. Attends, j'attends que ça revienne. Non? Oh, bah, j'ai essayé de le taper. D'accord, ça fait apparaître cet interrupteur. On va poser le ressort plus près. Ah! Oh putain. Bon, c'est pas grave. Comme vous avez vu, l'interrupteur revient. Voilà. Cet endroit me rappelle vachement quelque chose. Merci. Merde, je parie qu'il fallait aller en haut pour choper la pièce, je parie à tous les coups. Ouais, la voilà, elle est là à droite. Merde. On va terminer le niveau. Mais bon. On va retourner dedans, puisque petite piécette. Et j'étais en train de me demander s'il y avait possiblement une... Regardez. Vous voyez qu'il y a une maison Todd de vie en bas. Et la sortie se... Parce que, en fait, on est habitué à ce que les manoirs hantés aient souvent eu jusqu'à maintenant une sortie secrète. C'est possible. C'est possible qu'il y ait une sortie secrète ici. On va directement là, puisque le reste est fait. Non, je vais attendre qu'ils viennent plus à droite. Voilà. Hop. Donc pour l'instant, je vais refaire le même cheminement puisque... Voilà. Et on sait donc qu'ici, il faut activer le bouton et aller à droite. Foncez, quoi.
Oui, foncez, mais... Mais voilà, c'est ça le problème. C'est que on te demande de te grouiller à un endroit où tu peux pas le faire. Parce que sinon, tu tombes. Voilà. Attends. Si je me mets trop à droite, la fleur de feu va se mettre sur la plateforme du haut. Et j'aurai l'air... Gros gens comme devant. Hop, allez, on y va. Ouais, on peut faire comme ça aussi. Sauf que... Lol. Alors, on va refaire les choses bien. Mais à chaque fois, t'as aussi cette espèce de boue sur le chemin là pour te cueillir là. Putain, mais... Vous imaginez que je suis trop lent? Vous imaginez, je suis trop lent? Putain, mais je fais comment? Le seul moyen d'aller plus vite, c'est de mourir, quoi. Et je dis ça, mais je vous dis, j'arrête pas de vous dire que le jeu, je l'ai déjà fini à 100%, donc ça, je l'ai forcément déjà fait. Ouais, j'ai réussi à le taper directement. Enfin. Avec quoi? Je vais juste aller voir. Je suis juste curieux d'aller voir ce qu'il y a à gauche, en fait. Ah oui, d'accord. Bon, comme ça, je saurai. Et ici, cette porte-là. D'accord, ça nous ramène aussi ici. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait de... J'ai pas l'impression que cette fois, ce niveau nous offre une sortie secrète, hein. À moins qu'elle est très bien planquée. Putain, faut retaper le bloc. Eh, je commence à être bon. Non, je voulais... En fait, si j'ai regardé ce qu'il y avait à gauche, c'est parce que je me dis qu'un moyen de courir plus vite, c'est d'être en étoile. Et du coup, j'aurais pas peur du bout sur le chemin. Enfin, peur. Vous avez compris. Parce que là, c'est méga chaud, quoi. Ouais, voilà, je peux même pas sauter directement, c'est trop loin. Comment je fais? Non mais là je suis vraiment... Ah mais je fais comment? Sûr. J'adore quand la fleur de feu n'est jamais envoyée du même côté. Franchement, je sais pas qui chez Nintendo a eu cette idée. Hey, j'ai eu une idée dans les manoirs hantés, on va faire des items qui sautent des blocs quand vous les tapez. Qui me suit? Ah, merde. Bon. Donc nous revoilà ici. Et voilà, dès que j'essaye de me dépêcher, je tombe. Dès que j'essaye d'aller plus vite, je tombe. C'est systématique.
cette fois-ci c'est à droite. Tiens, maintenant les plateformes sont désynchro. Bon. Eh bah putain! Vous savez, je me dis un truc. Si jamais finalement ce niveau a une sortie secrète, a bien une sortie secrète, hein. Je sens le coup de la plante grimpante, tu vois, qui serait planquée. Qui serait planquée dans, dans tous les blocs quand on traverse la dernière zone. Et ça ne m'étonnerait pas. Bon, allez. On a le temps de se faire. Donc si jamais il y a une sortie, je regarderai, hein. Je regarderai s'il existe une sortie secrète ou pas pour le manoir. Et bah, si je la trouve, bah, je vous la montrerai la prochaine fois. Allez, là on va se faire ce niveau-ci. Et après on arrêtera. Hein. Ah ah ah! Vous voyez cette plateforme là? Bah voilà. Ah oui, aussi. Voilà. C'est un niveau style. Ah! C'est un niveau style Mario Bros 3 où tu peux te... où tu peux bah, te téléporter de la gauche vers la droite et inversement. Donc ce niveau devrait pas être bien compliqué. Les pièces, on devrait les voir assez facilement. D'ailleurs, voilà la première. Voilà. Ah, papa, bon, c'est pas tombé de la plateforme. Mais qu'il est bête. Vous pouvez le dire. Ce sans fleur de feu, c'est un petit peu plus embêtant. J'en ai une en réserve, certes. Non, par contre, je veux pas de resquilleur sur mon taxi. Bon, c'est pas grave, la fleur de feu est apparue avant que je ne devienne, je sois touché. Donc on monte tranquille, une petite ascension. Ah là, j'avoue que j'ai pas grand chose à dire sur ce niveau, puisque c'est juste, tu montes sur la plateforme, tu tues les ennemis quand ça arrive à ta hauteur. Enfin, sauf là, si je pouvais récupérer la carapace... Peine perdue. Donc il y a celle-là. Oh, mais lol. Oh, tant pis. De toute façon, ça devait être pour des... Ça devait être pour des pièces ou... Alors, ici. Hop, on la balance comme ça. Voilà, là, fallait exploiter le fait que la gauche et la droite de l'écran sont liées. Là, il y a plein de coupas sur les côtés, je les vois. Ok, la pièce, elle est... Impec. Ah, c'est le genre de niveau à la cool, qui sont très bien pour terminer un épisode, d'ailleurs. Ah. Ici, si on veut toucher le haut du drapeau, il va falloir jouer du rebond. J'essaye. Et c'est une victoire! J'aurais été capable de le rater. C'est tout ou rien. Des fois j'y arrive bien, des fois c'est... Non! Voilà! Bon!
Eh ben, on a même fait le niveau super vite, hein. Et je sais pas si... Je regarde... Pardon. Je regarde mon timer, je songe au fait que je vous ai coupé, un passage ou deux. Non, on va s'arrêter ici. C'est très bien. Voilà, on va faire le panneau. Par contre, je ne sais plus si dans les mondes précédents, j'ai laissé des... Je sais plus si dans les mondes précédents j'ai laissé des pièces. Des pièces étoiles ou des sorties secrètes. Je réfléchis, mais il me semble que non. De toute façon, je peux vérifier. On va défiler. Donc monde 1, tout est pris. Monde 2. Tout est pris. Bon, les bouts de cartes qui manquent, c'est des maisons Toad qui sont pas... Ouais, c'est des maisons Toad qui sont pas débloquées. Monde 3. On a tout. Je regarde juste le... Ouais, il y a une maison Toad pas débloquée là. Et là-haut, c'est ça aussi. Le quatrième monde. On a tout pris. Ouais, c'est des maisons Toad. Ok. Cinquième monde. On a tout. En fait, je regarde juste si les points... si les points qui sont pas rattachés à la carte, c'est bien des maisons Toad que j'ai pas débloquées. Le sixième monde, bon, on a tout. Oh, en fait, on avait tout. Ok, j'ai rien laissé en arrière pour l'instant. Impeccable. À part des maisons Toad pas débloquées, quoi. C'est tout, quoi. Impeccable. Voilà, donc... Ah bon, d'accord, quand je reviens au monde 7, il se met sur le niveau 2. Ouais, c'est spécial. Normalement, t'étais censé te mettre sur l'entrée du monde. Mais c'est pas grave. De toute façon, étant donné que j'ai sauvegardé sur le niveau où il y a le frère marteau, bah c'est là qu'on réapparaîtra quand je lancerai l'épisode la prochaine fois. Wally, voilou. Bref. De toute façon, les maisons Toad pas débloquées, les maisons qui sont pas débloquées dans les mondes précédents, on finira par le faire, hein, parce que... Voilà. Attends, en fait, je vous explique. Quand j'aurai terminé, quand j'aurai atteint la fin du jeu, le jeu me demandera de dépenser l'intégralité des pièces étoiles pour rajouter une étoile au fichier de sauvegarde. Tout simplement. Donc je le ferai, quoi. Je le ferai à ce moment-là, histoire de dire... vous avez vu, j'ai fait le 100%. Parce que pour l'instant, les maisons Toad pas débloquées, ben je les débloque pas, parce que comme c'est des sauvegardes... Voilà, tandis qu'une fois le jeu fini, bon, on s'en fiche, donc... Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse là-dessus pour cet épisode, donc je vous dis ciao, et à la prochaine.